Le fait de savoir que ça a eu lieu, d'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent PFL, est-ce que c'est quelque part rassurant Qu'est-ce qui est rassurant bah de savoir que tout est fini, que tu n'as plus à souffrir. Euh, ouais, franchement, euh, c'est cool. Nous sommes le 13 mars 2024, victoire de Cédric Doumbé, on en parle maintenant. Let's go, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Baisangour Shamsoudinov, comment ça va Ça va super et toi Guillaume mais écoute, ça va très bien. Je te demande ça parce que t'as pris une salade de phalange monumentale, au premier round, S total. J'ai l'impression, tu vois, pour avoir déjà vu plein de combattants, qu'on est sur un calibre vraiment d'un autre niveau. Moi personnellement, j'ai jamais pris de, de knockdown, j'ai jamais pris de chaos, mais là c'était trop, c'était trop. Le boug, il est trop fort. Mmh. est-ce que jusqu'à maintenant, il y a eu un moment dans ta carrière où t'as eu ça euh, tu t'es rendu compte que tu, tu allais te prendre une méga branlée de l'espace Pour l'instant, comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, il m'a mis une gauche des enfers. Je suis parti dans la stratosphère, j'ai croisé Thomas Pesquet, Elon Musk, et je me suis retrouvé à l'hôpital à manger de la purée de courgettes pendant quatre jours. Ah ouais, c'est dingue. Et, et, et d'ailleurs, je crois qu'on t'a décelé une autre pathologie. Bah, On le voit là, tu souffres d'une plémobilite aiguë. Ouais, c'est ça, le syndrome du plémobile, je ne peux plus plier les jambes. C'est à cause des low kicks. Mais juste... <laughs> Bien sûr. Exactement. Ouais. Et donc là, il y a cas où toutes compétitions confondues, il a donné son pronostic. KO premier round, comme d'habitude, il a dit vrai. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Bon, <laughs> 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 Si on dit, euh, désolé, je me mets à parler mandarin quand je sais pas quoi dire. Ah ok, ok, tu parles chinois euh, Ouais, un peu. Je commence à parler de mieux en mieux. Je ne suis pas très à l'aise encore pour faire une interview complète. Mm -hmm. Mais je peux tenir une discussion. <laughs> Euh, mmh. Bien sûr. Est-ce que parfois, quand tu as vu qu'il donnait gratuitement des matelas, tu as voulu le tien aussi Je trouve qu'ils se répète un peu maintenant il offre toujours les mêmes trucs, euh, le matelas, etc. Même pas, il fournit la housse de couette, les draps, tout ça. Faut il faut qu'ils se renouvelle un peu. Mais bon, merci quand même pour, pour l'ambulance. Euh, pas merci pour les gros parpaings dans la face, mais merci pour l'ambulance. C'est pas la force. Le fait de savoir que ça a eu lieu. D'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent PFL, est-ce que c'est quelque part rassurant Qu'est-ce qui est rassurant bah De savoir que tout est fini, que tu n'as plus à souffrir. Euh, ouais, franchement, euh, c'est cool. Pour mmh. la préparation de ce combat, est-ce que tu as eu une équipe spécifique Est-ce est que tu as fait venir des gens spécifiques Alors, ouais, bah, j'ai toujours le Big F, alias Fernand Les Bons Tuyaux. Euh, je fais souvent des sparring avec euh, Jean-Mi Latourniole, euh, un ancien visio d'une boîte du 92. Euh, je m'entraîne au sol avec mon gars sur John Cena et on a fait venir Kakashi pour l'aspect ninjutsu. Ils sont vraiment au euh, taquet et franchement ils gèrent de ouf et je les remercie. Mais là ça a servi à rien. Ils ont servi à air gros. Je trouve que ça sert à rien mais je trouve que c'est marrant. Ok et on peut enfin en tout cas moi je, je, c'est ce que je pense en tout cas c'était une fois de plus une erreur d'envoyer un, un jeune effronté au casse pipe. Est-ce que c'était pas à nouveau une hérésie de Fernand Akeha Dumbledore euh, Alors bien sûr il met tous les moyens. Euh, pour s'aborder ses poulains. Mais bon, c'est le F. Toi-même, tu sais. Fernand, il fait ça à chaque combat. Est-ce que tu as des séquelles Ouais, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles. Ça a créé une dissonance cognitive. D'ailleurs, j'ai monté AVC. Euh, c'est l'association des victimes de Cédric. On s'entraide. Euh, ah oui, j'en avais, avais entendu parler. Donc, ça s'appelle AVC. Et comment ça se passe au sein de cette nouvelle assaut En vrai, ça fait du bien. Parce qu'on euh, est aussi là pour faire de la prévention. Malheureusement, certaines personnes, quand ils arrivent dans la cage. Euh, après que l'autre personne ait fait un pressing, que le public est contre lui, etc., tu vois, tu peux subir ce truc étouffant d'avoir l'impression d'affronter 20 000 personnes. On se regroupe, mm -hmm. on fait des réunions, on partage nos expériences. Tiens, toi, c'était mm -hmm. une gauche, moi, c'était une droite. Mm -hmm. On fait des activités, on fait des mm -hmm. parties de Mikado, on fait des karaokés, mm -hmm. on reste pas seul. Mm -hmm. Des fois, on va se balader en forêt avec Jordan ramasser du caca. Voilà. Et pour revenir à nos moutons et donc au PFL, on se souvient, il y a plein de gens qui te posaient la question, UFC ou PFL, PFL, UFC, finalement, tu ne seras ni au PFL vu la purge, ni à l'UFC parce qu'ils s'encarrent, mais à l'AVC, euh, ou même dans les VC. <laughs> tu, tu veux que je dise <laughs> quoi Non, mais j'imagine que c'est compliqué. Il y a un prix dans chaque chose, tu vois. Actuellement, battre Cédric, ça permet d'avoir une hype phénoménale en France. Mais franchement c'est impossible, il t'éteint toujours. Ah ouais c'est carré. Carré, euh, un peu comme ta, ta coupe de cheveux. D'ailleurs, c'est qui ton, ton, ton coiffeur C'est qui qui te fait cette peu coup de la mort C'est Franck Promo. Franck Provo ah d'accord. Non, non, Franck Promo, parce qu'il fait des bonnes promos. Mm. Je suis pas quelqu'un de très branché entre guillemets. Bah en vrai, je pense qu'il y a un bail dans le monde de la coiffure aussi. Euh, Peut-être que je peux envisager un avenir. Oula. Euh, non, non, pas du tout. Et par rapport à ça, je suis obligé d'en parler. Le côté euh, réorientation, ton futur, c'est quoi Moi, j'arrive à rester assez lucide dans ces moments-là. Je sais qu'il m'a éteint et que je dois faire autre chose maintenant. Tu penses que là, c'est ton dernier combat en France ou pas euh, C'est mon dernier combat tout court. Est-ce que c'est difficile à gérer ça Non, en vrai, on commence à... après, on commence à avoir des réponses qu'on donne un peu à tout le monde. Euh, après, on commence à se faire une raison. Euh, le MMA, c'est fini. Le nom de Tchétchène, tout ça, c'est fini. Ok, ok, ok. Donc t'étais vraiment pas tchétchène Ah bah oui, bien sûr. Shamsuna denini là c'était un blaze. Moi en vrai je m'appelle Thierry. Thierry Schneck. Non mais moi c'est fini, je me lance dans autre chose. Soit je me remets à ma passion de base, je suis ornithologue, soit je vais monter un groupe de K-pop. Ok, ça t'intéresserait le monde de la musique Pourquoi pas Si, mais après faut suivre financièrement, tu vois. Mmh. Ouais, en plus c'est pratique maintenant que tu parles chinois. Bah non, en vérité, la K-pop, c'est du coréen, c'est pas du chinois. D'accord, ok, vois. super, super. Et dernière question, Thierry, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes loups qui souhaiteraient se confronter à Cédric Dombé Aucune idée. Franchement, aucune idée. Euh, Peut-être. Euh, Rien compris, mais force à toi. Merci. Merci à toi.